قضية الترفيه والإكرام. والبلاد في 2023 ستتذكر جميعا كمحطة تاريخية فارقة في المملكة المغربية من أجل في تاريخ المملكة المغربية بإحداث هذا المركز مركز مصالحة وصور من أجل الذكرى تؤرخ لهذه اللحظات. Centre Moussalaha vient consacrer une démarche qui a duré 7 ans, qui était dans le cadre du programme Moussalaha et qui était en partenariat entre la délégation de l'administration pénitentiaire et de la réintégration, le Conseil national des droits de l'homme, l'Arabita Mohamedi des Ulema, et la Fondation Mohamed VI pour la réintégration des détenus. Et donc, cette étape-là vient consacrer tout l'effort qui a été fourni pendant ces 7 années découlées et qui ont fait preuve d'une efficience de toutes les institutions qui ont collaboré afin de rendre ce programme efficient. 279 personnes ont contribué, ont participé à ce programme. Il y a eu un pourcentage de 66,44% de gens qui ont joui de la grâce royale et il y a eu des participants qui allaient regagner leur liberté, mais ils ont insisté à participer. Donc l'attractivité de ce programme est de par ce qu'il offre en matière d'instruction, de dimension intrinsèque à l'être humain, afin de générer une réconciliation avec soi, avec le texte religieux, avec la société vis-à-vis de laquelle il y a eu beaucoup de peine à cause des dérives dont elle était proie. Aujourd'hui, sur instruction de Sa Majesté le Roi, commandeur des croyants, Mohamed VI, que Dieu le glorifie, on a signé un accord de partenariat avec le ministère de la Finance, le Conseil national des droits de l'homme, la délégation de l'administration pénitentiaire et de la réintégration et la Fondation Mohamed VI pour la réintégration des détenus. Et ce partenariat stipule le travail qui doit être fourni, l'organisation du centre, administrative et financière, mais aussi contentuelle, les contenus qui vont être déployés, qui vont être mobilisés afin d'instruire cette problématique qui est devenue une problématique internationale. Le Royaume du Maroc a pu développer, grâce aux orientations éclairées de Sa Majesté le Roi, une bonne pratique qui est partageable aujourd'hui à l'échelle internationale. On a plusieurs demandes d'entrer en partenariat avec plusieurs pays après installation des structures de ce centre. On va commencer à considérer toutes ces demandes et on va bien sûr commencer par le lancement d'une étude stratégique approfondie pour pouvoir mettre en exergue et en saillance toutes les conditions et les prérequis pour un succès qui sera, on l'espère, au niveau des aspirations de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Dans l'histoire de la République de Mali, ce centre est un centre de réparation.